Et salut tout le monde, c'est Onrag. On se retrouve sur Ark, la suite de notre petite capture de Raptor. Et aujourd'hui, on va essayer d'agrandir la famille et aussi s'installer comme c'était prévu. Je pense qu'on ira s'installer un peu plus loin là-bas, histoire d'avoir accès aux minerais et peut-être un peu aux cristaux. Je crois qu'il y a des cristaux qui sont pas loin. De toute façon, tous ces petits rochers là, on va les péter aussi. Ça donnera du métal. Le terri est là-haut. Je vais en profiter pour juste aller checker ici. Voilà. On a des petits bonhommes à éventuellement capturer. Toi, tu me feras rien, je pense. T'es quel niveau? Niveau 28. On va te bouffer. Voilà. Histoire de faire pex le raptor. Et là-bas, on a lui. On a eux, il y a des compis. Allez, on va l'aider. Petite baston pour commencer. Allez. Voilà la compie. Et toi, niveau 8. Rien d'intéressant. Oh là. Oh, on a lui là. On se casse, juste. Voilà, il est où? Il est là-bas. Je ne sais pas si je suis assez costaud pour l'affronter. Je pense que si. On va faire. Hop, on va booster son attaque. Niveau poids, c'est encore bon. Est-ce qu'on s'en débarrasserait pas? Oh, il y a le. Ouais, il y a le drop qui vient d'arriver. Moi je dis ouais, alors à moins qu'on tombe sur un 150, parce que moi je suis combien avec mon petit Raptor? 116. Ça m'étonnerait qu'on ait un 150. Allez, on se le tente. C'est parti. C'est quoi? Allez. Un Baryonyx, voilà, je cherchais le nom la dernière fois. Niveau 48. Allez. On va se le faire. Ça c'est sûr. Vu comment il est. Allez, go. Yes. Ok. Il avait une petite truc à nous donner. Qu'est-ce que t'avais? Hop, qu'est-ce que tu me donnes? Des bras. C'est quoi? Bah non, des flèches. Ok. On prend. Ce qui va nous permettre d'aller chercher le drop tranquillement. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh punaise, piranha, 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 piranha. Hop là, ouais, voilà. Et on va y voir. On va essayer de les choper. Non, ça vous dit pas là, une petite baston piranha? Non, hein. Fais-moi les malins, hein. Voyons voir. On va essayer de choper ça. Ravitaillement. Allez hop. Ouais, parfait. On a quoi? Oh, un schéma pour ça. Excellent. Et les plans pour ça. Bon, ok. Allez, on prend. C'est toujours ça de prix. Bon, allez, on va aller s'installer. Je vais aller ramener tout le monde sur le radeau. Et je vous reprends. Et voilà, on va venir s'installer. Je pense juste au-dessus. Donc, on va se faire la petite cabane pour commencer. Petite construction tranquillou. Et hop, on sera bien, histoire de pouvoir avoir un endroit où se poser. Voilà, on va se mettre au-dessus de l'eau. Voilà, juste ça. C'est juste histoire d'avoir le pied à terre. Et ensuite, on pourra aller construire une vraie baraque. Nice. Est-ce que j'ai un toit? Oui, j'ai un toit. Voilà. Parfait. Allez, sur le passage, on s'arrête pour voir ce qu'il y a là. Sûrement des ressources de la construction. Oh! Je prends. Je prends allègrement. Arc et flèche. Ça, c'est toujours un cadeau. Ouais, niveau 4. No use.
On va aller voir le petit Moshop, par contre. Si, à tout hasard, niveau 12, Mejoberry, mais voilà mon ramasseur de fibres. Hop. Yes. Eh ben voilà. On va t'appeler Bernard. Voilà Bernard. Salut Bernard. On va te monter. Hop là. Et Bernard, tu vas rester. Hop là, sur le petit radeau. Nickel. Oh, évidemment. C'est parfait. Mon petit Bernard. Raptor. Un peu plus de vie, un peu plus d'attaque. Un peu plus de poids. Je me demande si on se le tenterait pas. Histoire de s'en débarrasser. Niveau 20. Il va faire mal. Mais on va lui faire mal aussi. Allez. Il saigne, il saigne, il saigne. Yes. Viande crue supérieure. Merci. Hop. On va prendre les griffes. Ça, on s'en fout. Le reste, on s'en fout, clairement. Deux dilo. Je crois qu'il y a du raptor plus loin. Toi, t'es niveau 84. Et toi 4. Allez. Voilà. Y'a rien autour. J'ai pas l'impression. Allez. Voilà. Oh, sale bête. Non, naître, 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 petit, naître. Voilà. Reste tranquille. Tout va bien. T'es un bon raptor. Allez. Ok. On va se mettre un petit suivi. Nice. Allez. On va voir. Pour tes petits congénères. Un troudon. Ouais. Il est pas reconnu en bleu. Sale bête, sale bête, sale bête, sale bête, sale bête, sale bête. Ouais. Troudon. On a du dilo, mais on a rien d'autre. On a un raptor là-bas. On a un raptor. Seul. Je crois. Alors, ce qui serait bien. Allons-y. Là, il n'y a rien. On va essayer de voir pour le récupérer de ce côté. On élimine tout ce qui va nous gêner à pied. Petit, petit, petit. Capte-moi. Yes. Tu es niveau 8. Oh. Tu sais quoi? Même pas. Navré pour toi. Même pas intéressé. On descend. On est là où il y avait le Quetzal qui est en train de se battre avec un Titanoboa. On va essayer de se faire le Titanoboa. Yes. Bon non, on a fait le tour. On est revenu là. Encore un troudon. Aujourd'hui, c'est terminé. On reviendra demain.
Je me demande si je vais pas essayer simplement de le capturer. T'es niveau combien toi? 44. C'est pas énorme, mais on peut toujours. Yes. Le dilo qui s'est paumé. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Allez. Bouge tes fesses. Alors on va en profiter pendant que celui-ci se fait apprivoiser pour regarder un petit peu les engrammes. Et avoir des trucs intéressants. On en est où? Celle d'Iguane, celle de Megalot. Hop. On a ici. Donc on a le camouflage, le diplo, l'oiseau terreur, le revolver. Au niveau des selles. Manta, on s'en fout. Stégosaure, on va prendre. J'ai le tricé, est-ce que je l'ai pris? Non, je crois pas. Celle de Raptor. Celle-ci, je l'ai prise, la traîne de tricé. Mais... la suite. Cadre de Nino porte en pierre. Oh oui. Porte. Oh oui. Les demi-pignons. Oh oui. Ça. Oh oui. On va commencer les constructions dès que l'on peut. Et le pilier en pierre. Fondation triangulaire peut-être plus. Oh oui. Impec. Impeccable. Bon, il en est où, lui? Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Oh, il y a un autre Térisinosaure qui a pop. Est-ce qu'on se le tenterait pas aussi ou quoi? J'aurais aimé avoir les cristaux pour pouvoir avoir les niveaux de loin. Oh, Stego. Ça, par contre, ça m'intéresse. Pour farmer après. Bon, niveau 16. Facilement attrapable, mais ça ira pas loin. Ce sera vraiment les premiers farmers à jeter ensuite. Ça, ce Pteranodon, ça va être vraiment juste pour du repérage au début. Ça va être vraiment le premier et qui va nous permettre surtout d'aller chercher nos cristaux sur les montagnes. Et ensuite, pour pouvoir aussi aller chercher notre premier Argentavis. À mon avis... Dans pas longtemps, on va faire ça, parce que là, je vais m'occuper de construction plus les deux raptors dans cet épisode. Il y a des chances que je prenne encore quelques levels. Argentavis. La selle, c'est 62, ouais, niveau 62. Et là, l'Epté, 38. Ouais, on y est bientôt. Le Ptera va s'appeler... Et Billy. Ok. Moi je suis 34, voilà. Donc dans pas longtemps, le Ptera, ça sera pour nous. Allez mon petit gars. On va ramener tout le monde. On va profiter de la nuit pour aller ramener tout le monde. Histoire de pas être embêté. Allez hop. On est parti pour la suite. Essayer de m'avoir là. Oh. Oh. Spino. Bah, pas pour tout de suite. Évidemment. Non. On va essayer de voir passant par là-haut. J'étais parti pour venir ici. Voir si j'avais pas des petits raptors qui traînaient là le long de la berge. En règle générale, il y en a. C'est vrai qu'il y a aussi du spino. Il y a un sarco. Pas l'air d'y en avoir. Là. Il va me falloir aller à un autre endroit. C'est pas grave.
Ok, bon alors. Par là-bas, c'est bloqué par le spino. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un peu là-haut et le long de la plage. On va essayer de se trouver un petit raptor qui traîne. Et qu'ensuite, on puisse attaquer la construction de la base juste là. D'ailleurs, on va aller regarder ensemble. Je pense. Ouais, je pense qu'on va faire ça là-haut. Genre ici. Je trouve que ce serait pas mal. Je trouve vraiment que ce serait pas mal. Posé là, sur le rebord, là, en bordure de falaise. On serait quand même pas mal. La flotte, on pourrait tirer les câbles depuis la mer, là, et on serait royal, hein. Je pense qu'on va faire ça. Bon, je vais commencer à aller continuer d'explorer un peu là-haut. On aura le minerai qui serait pas loin. Et on va partir du coup pour notre petite chasse au raptor. Ensuite, on verra. Ah, on a trouvé du raptor. Allez. Ils sont juste derrière. Il y en a là-bas. Pas vu. Toi, tu vas être là. Le deuxième arrive. Non.
Si. Allez. C'est pas grave, allez. On va s'en occuper. Yes. Ouf. Par contre, ouais, niveau 16. Bon. Ok, je vais le prendre. J'en ai là-bas. Je vais aller m'occuper de ceux-là là-bas. Je crois qu'ils sont deux. Viens là. Remarque-moi. Ouais, yes. Oh punaise. Yes. Allez. Non, d'abord celui-là. Voilà. Yes. Bon allez. Tu vois, c'est bon, j'ai perdu assez de vie. Oh, une loutre. Oh, j'ai pas de poisson. Quel dommage. Alors, il y avait quoi dans la petite cache? Ça, on va prendre. Le reste, on s'en fout. Du coup, j'ai plus de viande. Je n'ai plus de viande. Ouais, j'ai plus d'armure. Ok, nice. Nice, nice, nice. On va utiliser ça. Chef de mètre. Allez. Allez, avec la deuxième, ce sera bon. C'est vrai que j'ai pas encore nommé mes raptors. Par contre, du coup, tu vas plus être chef de mètre, toi. Niveau 122. On va avoir un petit niveau 130, si je dis pas de bêtises. Ça va être plutôt sympa. Bon, toi par contre, ouais, niveau 23. Et elle, je vais l'appeler Blue. Histoire de faire original. Hop. Tadam. Bon, il y aura de l'armure à réparer en rentrant. Yes. Eh ben c'est bon. On a notre petite... petite armée de raptors pour nous défendre. Allez, go. Alors là, petit 23. Allez, allez. Oh. Interi. Oh, le terrible carmo qui nous tombe dessus là. Yes. Ouf. Saignement, ok. Le Terry nous a rien dit, ça c'est bon. C'est très très bon. Bon, le niveau 23 il a pris cher, c'est un peu normal. Un carmo niveau 60, j'ai pas récupéré les items qu'il y avait dedans parce qu'il était au milieu. Je sais qu'il y avait des piranhas, donc ça sert à rien. On va pas tenter le diable. Et du coup maintenant, je vais créer du pack. Yes. Un carbo. Allez go. C'est du plaisir. Olé, 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 olé. Niveau 88. Moi le fumer, c'est très bien. Travail d'équipe, les gars. Ça, il va manquer de la fibre aussi. Allez, c'est l'heure de nous montrer tes talents. L'heure de nous montrer tes talents, petit Moshop.
la fusillade. Voilà. Hop 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 hop, je peux pas farmer tranquille, j'ai un spino. Bah j'ai qu'une envie, c'est d'aller tester les capacités de nos petits. Ouais. On va aller essayer de le faire. Allons-y, tranquille. Au stress. Peu de chance que ce soit un haut niveau. On va voir ça. Allez, reviens vers moi. Et c'est parti pour l'attaque. Yes, yes. Oh, c'est un 72 quand même. Vous avez pris cher les gars. Ouh, mes bébés. Ouh, mes bébés ont pris cher, mais ils sont tellement bien sortis. Allez, venez. Rentrez à la maison. On va juste checker. Allez. 300 PV, niveau 36. Niveau 36. Hop, 1 kilo. Le sarcosuchus. Ben on va débloquer ça. Hein. Et les balles de fusil. Ça, ça va nous être très utile. Et le reste. La faucille ou pas. L'épée, oui. Et ce sera bon. Ok. Allez. On est là. Hop, et on va commencer à dégager le passage. On va commencer par ça. Et on va se faire un pied à terre. Et voilà. Alors. Hop, on va commencer déjà par se faire la maison. Il va falloir aller encore plus piocher. On va se faire l'entrée. Ouais, on va se faire l'entrée ici. Parfait. Petit escalier, petite porte. On va se mettre un peu plus d'énergie et on va direct débloquer. Allez, le Ptera. Hop, Pteranodon. Ankylosaure, on va la prendre. Le sarco aussi, on en aura besoin. Et pour l'instant, bah, c'est bon. Allez, on va se finir ça. Hop. Hop. Alors, on va mettre une fenêtre de ce côté. Une fenêtre ici. Une fenêtre ici. Voilà. Voilà. Et non, on va pas se faire deux de haut. Hop. Bon, pourquoi j'ai arrêté? Hop. Bon côté. Il me semble que oui. Ok. Et ça nous fait
Même un petit level de plus. Hop, on va repartir sur l'énergie. On va regarder si on a un truc intéressant qui nous a été débloqué. Fusil à canoncier, pas pour l'instant. Les tuyaux, araignaux, le caprosucus, non. Non, je garde les engrammes. Je garde les points d'engrammes. Et nous, on y va. S'il te plaît, voilà. Ne fais pas le coup de pas choper le toit. Et voilà. De quoi pouvoir mettre nos ateliers, tout ce qui va avec. Ah, impeccable. On va commencer d'ailleurs avec, si on le peut, vite fait, de l'armoire. Est-ce que j'ai... Oh oui, c'est la grande armoire. Je peux en faire deux. Où est-ce que je les mets? Non, je sais pas. Non, je vais mettre à l'entrée juste. Allez. Et une au fond. De toute façon, ici, c'est du provisoire. On va pas y rester éternellement. Voilà. Bah, écoutez, les amis. On va se laisser là sur cette magnifique construction de notre première hutte en pierre. Juste de quoi pouvoir s'abriter le temps qu'on aménage cette zone magnifique avec notre petite vue au fur et à mesure. Voilà, je pense qu'on fera un petit élévateur pour pouvoir transporter les dinos d'en bas jusqu'ici. Et parce que bon, après il y aura une rampe aussi, hein, mais bon, ce serait stylé. Se faire un bel enclos ici et être tranquille. Voilà. Bon, aujourd'hui nos raptors, la selle de Ptera, je le ferai pour le prochain épisode. Parce que prochain épisode, on va partir chercher, eh ben, écoutez, cristaux et tout ce qu'il faut pour faire la forge, faire l'atelier, l'établi, tout ça. On va aménager ici et peut-être partir se chercher également un petit ankylosaure pour pouvoir aller farmer le métal et la pierre aussi en même temps. Bon, il me faudrait un doidicus, c'est ça, le doidicus, pour pouvoir farmer la pierre efficacement. Mais bon, déjà un petit ankylosaure pour avoir un max de métal. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker et à balancer un commentaire pour avoir votre avis, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao, ciao.